Salut les petits amis YouTube, ici c'est Rocky et voilà, on est en direct du Japan Tour Festival et je vous donne rendez-vous, alors je vous dis à tout de suite. Bon bah voilà, ça y est, on arrive au Japan Tour. Apparemment il y a un petit peu de monde, donc ça devrait le faire. Bon bah écoutez, on se retrouve à l'intérieur. Salut. Petits amis, il est 14h50, comme vous pouvez le voir, 5000 personnes devant, je ne sais pas quelle heure on va rentrer. Bon ben voilà, on va patienter. Bon les petits amis de YouTube, ça y est, on est arrivé après une heure d'attente. Alors voilà, pas bien. Team Sashimi, forceur de Sunken Rock comme moi.
Allez, Diana. Nous sommes en direct avec Thomas Bouvray, le dessinateur français de Mystérieuse Cité d'Or. Et aujourd'hui, il a une petite phrase à vous faire. Nous allons l'écouter tous ensemble, mes amis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, je suis l'auteur de Cité d'Or. Donc, on peut voir ici. Cinquième volume, je suis en cinq volumes. Et donc, ça reprend en fait, l'adaptation, en fait. De l'ancienne série, la première saison en fait des années 80. Faire une petite dédicace. Ouais, voilà. On est juste un des deux. Non, c'est gentil quand même, vous l'avez déjà eu, c'est gentil. Je vais pas vous faire encore une. Voilà, ça ce sera pour ma petite chaîne. Petite dédicace à un grand dessinateur français que je vous conseille, les amis. N'hésitez pas à lire ce manga. Je l'ai lu moi-même personnellement, j'ai adoré. Si je ne savais pas que c'était un dessinateur français, je pensais que c'était un dessinateur japonais tout bonnement. Et franchement, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Voilà, c'est un maître du manga français. En tout cas, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ouais. En tout cas, merci. De Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils, et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile, un peu d'astuce, d'espièglerie. Je suis très touchée.